Salutations les murs, on se retrouve pour le 30e épisode sur Green Hell. Nous avons déjà installé les plans pour mettre en place notre four à charbon ainsi que notre fournaise pour les métaux. Donc on va aller s'installer ça. De suite, je vais lancer quelques boudins de boue parce qu'on va en avoir besoin. J'en ai déjà là, mais il faut que je refasse quand même un petit peu à côté. Je crois que j'ai oublié de remplir mes gourdes. Bon, c'est bon, elles sont remplies. Comme ça, je vais faire ça et ensuite, je vais aller me rincer. Donc, on va se mettre ça. Je vais les re-remplir, comme ça, je serai tranquille et je vais pouvoir me rincer en même temps. Alors, je vais pas m'embêter. Faire ça comme ça. Hop. Petite baignade, bim bim bim. Ah, ça fait du bien dès le matin. Là, je viens de dormir et de me réveiller. Je vous avoue qu'une petite baignade matinale, ça met en forme. Je vais pouvoir maintenant me manger des petits bouts de viande qui sont bons encore un jour, mais. J'en ai besoin, je vais le manger. Non, c'est pas l'escargot que je veux. C'est une noix, s'il te plaît. Alors déjà, je vais aller dégager ça, parce que là, ça me gêne. Voilà, l'escargot. Je vais me le caler ici. Je vais laisser un espace à côté de ma gourde, si jamais je dois la remplir, pour qu'elle retombe pas à la faute comme la dernière fois. Voilà, je vais manger celle-là en premier. Celui des deux autres... C'est encore bonne un bon bout de temps. Je vais voir si j'ai pas besoin de mettre ça en place. Alors, je vais quand même. Ah bah attendez. Ouais, je vais pas m'embêter, je vais garder ma viande avec moi. Je me suis permis de lancer un feu. Ici. Donc, comme il est lancé, je vais en profiter. Je vais faire cuire mes morceaux de viande. Là, d'ailleurs, je vais me rechercher un poisson. On va retourner chasser et je vais vous montrer aussi un petit truc qui est juste à côté. Alors, il faut que je chope la feuille de pomme qui traîne dans l'eau là. Voilà, ça c'est fait. Hop, ça je vais le récolter. T'es juste à côté, alors je te prends aussi. Ça, c'est bon. Ah, j'en ai deux. Je sais pas pourquoi au début il a pas voulu se mettre, mais bon. Bon, c'est peut-être autre chose qui est tombée à l'eau. Pas peut-être des arêtes. Je crois que même pour ça, il y a de la place. Ah, les poissons, je vais me les stocker ici. Voilà. Je sais pas s'il y a une date de péremption dessus ou quoi. Ça, c'est cuit. Alors, je vais l'emballer avant que ça crame. Je vais poser ça là. Je vais stocker mes petits bouts de viande un peu plus haut. On peut peut-être se les décaler histoire de gagner un peu de place. Voilà, va falloir aller chercher du. Je vais boire un coup déjà vu que je suis à côté. Ok, merci, je voulais pas le prendre. Non, mais il se fout de moi, il y avait marqué qu'il y avait de la boisson dessus. Putain, la blague. Vas-y, mets ta balle, ça y est. Ça commence à être buggé, ça va vite m'agacer. Ah, je vais ramasser un peu de bois. Alors j'aurai peut-être un truc ici là. Il y a une veine de fer. Alors pour le moment là elle est vide. J'ai vu ça la dernière fois quand je suis passé faire un tour en haut. Donc je sais pas si de temps en temps elle va se remplir, mais en tout cas j'en ai une ici à surveiller. Ce serait pas mal qu'elle se remplisse de temps en temps, comme ça j'aurais pas besoin de courir
à l'autre bout pour chercher du fer, bien que voilà, je pourrais passer de l'une à l'autre, vu que là par exemple il n'y en a pas. Enfin, je pourrais très bien m'en rendre à l'autre, hein. Ce qui me semble assez essentiel, surtout si on peut se faire des armes avec. Donc ça reste à voir l'utilité qu'on en aura. Là, je veux bien récupérer ma viande, tu me le permets, là. Je suis obligé de m'agenouiller, c'est quand même dingue. Là, tu me fais le pas de noix, ok. Alors, la feuille de palme qu'il y avait en bas, j'irai la chercher plus tard. Pour le moment, on va s'avancer là-bas. Ah, le caillou. Ah non, c'est mon piège. Ouais, il y a toujours des asticots. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être pas repartir les mains vides. Je vais aller prendre un carré de boue. Faut que je dois boire encore un peu de flotte. Par contre, j'ai pas besoin de lipides. J'ai quoi là? Une infusion. Là, j'ai de l'eau potable. Voilà, ça sera toujours ça de prix. Soupe de champignons et infusion. Ça, je vais me les garder pour le moment. Le tas de cendres. Je vais me décaler par là. Les pires, ça commence franchement à me gonfler là. À tomber n'importe où. Ramenez-moi ça. C'est un bordel pas possible. Après, je peux plus circuler. J'en peux plus. Ouais, là-bas, j'ai fait que des trucs pourris. C'est un peu relou. J'ai pas forcément envie de boire ma gourde. On va aller siffler une coco. On va voir s'il y en a pas dans le coin d'ailleurs. En haut, ça a pas l'air d'être le cas. On va aller voir ici s'il n'y a pas des noix aussi en passant. Et j'ai encore pas pris mon boudin de terre. C'est... Ça commence mal. Ah, on va se dépêcher, j'espère que ça va pas me salir. Ah et puis il faut que je mélange ça aussi. Je me disperse et... Ah ok, je suis pas sale. Alors, je vais prendre ça. Parce qu'on est loin du compte, je crois que j'en ai deux sur place. Je dois me taper pas mal d'aller-retour, mais faut d'abord que je m'occupe de... ma soif et des lipides. Alors faut que je fasse gaffe, ouais, justement c'est ça que je voulais dire. Et je crois que j'ai un... Il y a un puma qui traîne pas loin de chez moi là. Donc je vais commencer d'abord par le mettre ça ici là, dans le four à bout. Ok, nickel, c'est fait. Alors je suppose qu'il faut mettre un feu en dessous. Voilà. On va aller chercher ça et je pense qu'il faudra un dernier boudin pour fermer devant. Ah, quel accueil. Il se déplace de plus en plus près de chez moi. Il n'y a pas une petite coco qui traîne là dans la verdure. Je sais pas si on pourrait sauter de ce côté. Un jour je prendrai le risque et je le ferai, mais pas maintenant. Alors, je crois que j'avais des cocos dans un arbre là. C'est pas là, ça doit être de l'autre côté. Je crois que c'est celui-là. Ah, il se moque de moi. Elle est là. Elle est prête à mordre. Hein. Tiens. Merci bien là. Mes petites cocos, elles sont passées où? Ah, je sais plus si je les avais pris ou s'ils me les ont virés. Écoutez, tant pis. Ouais, je sais pas ce qui tournait là-bas. Alors là, les champignons, je les prends. En plus, ça y est, je suis crade. Ah, donc je vais attendre avant de me siffler un truc, là.
Ouais, je crois qu'en plus il y a une nouvelle plante qui a été intégrée dans le jeu. Et elle filerait du. Elle filerait une espèce de taro. Un cousin du manioc et la patate et tout là. Mais je l'ai pas encore trouvé. Je sais même pas si justement j'arriverai aussi à la trouver, hein, bien sûr. Ah, par contre, là, la plante, tu me gênes. J'arrive pas à voir en dessous. Ouais, non, y a rien. Ça fait que du bruit. Je sais pas si ça m'a fait un tas de feuilles sèches. Non, même pas. Ça m'a rien donné là. Ça aurait été marrant que ce soit celle-là qui me file du tarot ou un truc comme ça, mais là y a rien. On voit un os qui traîne sur le côté, je peux pas le prendre. Là, elle m'a pas filé d'herbe sèche, c'est bizarre. Ah bah je vais prendre des petits bâtons. Ah, récolter, merci. Ah, je commence déjà à être fatigué, c'est génial. Normalement, je vais récupérer tout ça. On va aller chercher un dernier boudin de boue. Après avoir démarré le feu. Et puis, on va voir combien au final de. Combien au final de machin bidule ça va nous passer là, une infusion d'os. Alors je vais au moins me boire ça. Hein. On sait ce que ça fait. Hein. Je vais me faire une petite sieste. Ah, juste de quoi. Lancer mon feu. Alors. On va utiliser ça. Ici, herbe sèche, hop. Bitch! Non, oh, no. You gotta be kidding me. Déjà? Sorry, than it looks. Se foutre de moi ou quoi? Come on, damn it! T'inquiète, t'inquiète. Ah, tiens. Ok, alors je vais faire ça là. On va repasser ici. Ce truc, c'est que ça m'a bouffé un. Une herbe sèche pour rien. Oh yes. Oh, ok, yes. Là j'en fais plus un. Ah, je sais pas si je peux y foutre des trucs dedans. Je vais essayer de mettre ça. Hein. Et puis on va aller chercher un boudin de boue assez rapidement pour fermer. Puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Par contre, ouais, mon four à charbon, je pense pas qu'au final, mon four à charbon, j'aurais dû me le foutre ici. Hein. Parce que là, à me taper des allers-retours, à moins que je me fasse un stock de boue, je pense que je vais fabriquer un carré de boue tout simplement à côté. Je ramènerai deux gros boudins. Puis si en plus du charbon, ça me file de la cendre, je me ferai ça à côté. Parce que là, avec les allers-retours, mais que je me fasse deux allers-retours. Enfin. Ouais, deux fois deux allers-retours pour amener deux gros boudins comme ça, que de ramener à chaque fois 15 000 boudins. Enfin, je sais même pas comment. C'est quoi, faut faire une porte, faut. Sur le dessin, on voit que c'est fermé là. Le feu. Ouais, c'est fermé là. Je ferme comment là? Alors c'est peut-être que je peux pas fermer parce que j'ai mis la bidache. Elle est où ma porte? Je comprends pas leur délire là.
Ouais, trois briques de boue, mais la porte, je la fais comment? Santé mentale plus 2, ok, c'est cool, je suis content. Ah, c'est pas là. Ma douche, je me la ferai en bas. Je peux peut-être m'en faire une ici, hein. Ah, je vais peut-être pas me la mettre là d'ailleurs. Peut-être plus me la coller. Ah, peut-être pas en plein milieu non plus. Ah, je vois pas où je peux me la foutre. Parce que si je me la mets là dans le chemin. Ça va pas être juste pratique. J'essaie de me la mettre dans ce sens-là, là. Ouais, le long de ma petite cabane. On se mettra ça ici. Par contre, ça m'explique pas comment je fous. Comment je fous une porte à. À mon carré de boue là. Franchement là, ça me pose une colle. Hein. Brique de boue. Ouais, je pige pas. Hein. Alors, fallait peut-être poser d'abord un feu et ensuite mettre le. De toute façon, le feu, faut bien le renouveler à chaque fois. Hein. Je comprends pas là. Ah, ok. Ah, je récupère plus 2 et je perds moins 2 derrière. Ah, ok, je suppose que je suis. Il me reste 8 heures. Ah, je vais pouffer dans l'eau. Meurs pas noyé, s'il te plaît. Ok. C'est bien, c'est que je me réveille. Allez, je finis de me laver. Ah, je vais manger mes fruits, il reste 5 heures. Ah, ça, il me reste quelques jours. Ok, un jour 10 heures, un jour 10 heures, hop hop. On va faire ça comme ça. Ah, je manque cruellement de glucides. Un peu mieux, mais c'est pas ça. Ouais, mais au moins, j'ai prévu le coup. Hein, j'avais mes deux petits champis au cas où. Ah, bah, et maintenant, on va faire pouf pouf dans l'eau. Ah, j'irai peut-être plus vite comme ça. Ouais, bah, je vais essayer de trouver une solution pour mon four, hein, on verra bien. En attendant, on va se faire le four pour les pour le fer, quoi. Hein. Mais je trouve ça bizarre. Ouais, je trouve ça bizarre quand même. Alors, je vais me ramener d'autres boudins là-bas. Parce que j'en avoir besoin, là. Puis on va foutre les 4 grands bâtons. Mais ouais, je pige pas à la porte.
Où est-ce qu'elle peut... Elle peut être. Je pensais que ce serait combiné avec et... Je vais un truc faire briller au loin là. Je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir. Si c'est des champis, je vais les manger. Ça c'est fait. Ah voilà, ça ira bien pour les glucides pour le moment. Ah j'ai une animation là qui traîne avec de l'eau là, c'est désagréable au possible. Briques de boue, ça se trouve je l'ai. De toute façon normalement je devrais l'avoir hein. Si j'ai le four même là ça a du mal quand on est debout là. Là, ça bug légèrement là. Il faut vraiment des lipides. Je vais manger une noix. J'ai pas le choix. J'espère que j'ai pas cassé un grand bâton. Renverser, récolter, détruire. Non, on va faire boisson. Récolter. Je vais manger ça direct. Par contre l'animation elle va me saouler. Voilà. Ah, ça me refout de l'eau. Je vais laisser poser là pour le moment. Comme ça je vais éviter de sauvegarder avec ça dans les mains. Voilà. On avait récupéré ça, donc hop, on va se les mettre. Comment ça c'est que mon petit feu il est éteint? Et puis là j'ai pas d'énergie, donc c'est même pas la peine, je peux pas le relancer. On va se réveiller là, voilà, comme ça on est à kiff kiff bourrico au niveau de la santé. Alors si je prends un carré de boue là, utiliser un nain pour créer des braises, bah là je vais bien. Voilà, hop. Ah mais l'animation de flotte là, alors j'ai pas sauvegardé donc. C'est depuis que j'ai sauté. Yes, yes. Dans l'eau que je me suis endormi dedans. Je sais pas c'est quoi le logo là au-dessus là. Faut pas interagir comme ça avec, t'en veux pas, bim bim bim. Je sais pas à quoi il sert le feuille de bananier, hop. Un petit test. Non, je peux rien faire. Hein. Ce logo, je vois pas à quoi il sert. Ah, il m'indique qu'il faut que je foute une porte, mais quand même pas que je mette une porte comme ça ou un mur. Bah non, tu veux le logo d'une porte? Non. Alors soit il correspond à un feu au dessus, peut-être qu'il fallait mettre un plus grand feu.
parce que moi j'ai un petit feu, mais ça se trouve faut mettre un plus grand feu ou un truc comme ça. Et comme mon feu il est pas comme sur le dessin là, ah bah ça marche pas. Ça se trouve faut mettre des grosses bûches de bois ou faut faire un feu de. Comment on pourrait appeler ça là? Pas un feu de joie, mais ouais, si, limite un feu de joie quoi. Un gros feu avec des bûches immenses. Ah, ça va me gonfler l'animation de l'eau sur ma lance. J'aurais jamais dû aller m'écrouler. Ouais, ouais, je t'ai entendu. Je sais pas où il est, je vais m'examiner en attendant. Et ça, je suis en train de me rincer, donc ça mérite de le faire. Mais je savais qu'il y en avait un qui rôdait dans le coin. Donc si je vais chasser le pécari ou un machin là, il risque de venir me bouffer le trou de balle. En attendant, je vais manger un petit bout. Là, j'ai encore besoin de lipides et... Et puis j'aimerais bien aller voir mon four, là. Sinon, je chasse d'en haut, mais voilà. Puis avec l'animation de la flotte, là, c'est... C'est juste désagréable. Je vais essayer d'éteindre. Enfin, le truc, c'est que j'ai pas sauvegardé. Alors, je vais aller écraser une sauvegarde. Une sauvegarde buggée ou un truc comme ça, là. Et puis. Et puis, je vais relancer. Je vais relancer pour voir si j'ai encore l'animation de la flotte, là, ou pas. Parce que ça va pas être possible. Ah, puis me protéger avec ça, ça va pas être possible non plus. Et puis ça sert à rien que je ramasse tout ça aussi. Ouais, je pense que là, pour mon truc, il manque quelque chose là. Ok, sauvegarde. Alors, on va écraser quoi? Ça c'était la même partie, ça c'était la suite. Là c'était quand on était mal en point, alors je vais écraser celle-là. Ok, alors je relance. On se retrouve après. Ok, on est de retour, donc a priori... j'ai plus le bug de l'animation là. Donc c'est cool. On est toujours embêté avec notre petit feu. Alors vu que là j'ai un peu d'énergie, je vais voir si je peux rallumer mon feu qui est encore éteint. Alors je pense qu'il manque un truc. Hein. Shit. Ah, il manque pas grand chose, sérieux, t'abuses là. Ok, ça c'est fait. Alors s'il te plaît, fais un effort là.
Surtout que maintenant j'ai plus d'amadou là, donc enfin il me reste mes denis, mais je préfère me les garder pour quand je serai en vadrouille. Donc si ça, ça pouvait bien s'allumer, ce serait sympa. Come on. Yes. Yes. Voilà les pierres. Voilà, je peux même les déposer là parce que j'en ai pas besoin. Là j'en ai 3, ça suffit. Ça serait bien que ça se stack ici. La graille. Tant que j'y suis, hein. La viande de tatou aussi, on verra ce que ça va nous apporter. Hop là, elle vient de pourrir, donc comme ça c'est fait. Alors, je peux manger un petit escargot parce que j'ai besoin un tout petit peu de protéines et ça me fera de l'énergie. Alors je vais me taper un arbre en attendant que ça cuise là. Numéro 1, hop. Comme j'ai besoin de bûches. Ils sont pas sérieux. Ça, je me le ferai cuire. Je crois que ça me file des lipides. Je vais déjà ramasser ces deux-là, là. Si je trouve le deuxième, bien sûr, qui est à tomber je sais pas où. Voilà. On va aller les mettre. Je sais pas si mon feu, il s'éteint dans le four. Après, je sais pas si on peut servir de la résine. Ouais, il est complètement... il est en fin de vie. Alors, je vais poser ça. Il faut plus de bouche en haut, je sais pas. Je sais pas, ça me turlupine tout ça. Maintenant, je vais aller chercher mes rondins. Voilà, on va aller les poser. Et puis je vais répéter l'opération parce qu'il manque juste un bâton et deux à... un bâton et deux bûches. Ok, ouf, c'est pas tombé dans l'eau. Ça me rassure. Par contre, araignée banane. Ça c'est germant. Ça, je vais le garder sur moi. Je vais mettre ça là. En attendant, vu que ça me sert pas à côté. Par contre, ouais. Non, mais ils se foutent de moi. Je suis en train de claquer toute mon énergie pour rien. Et ça c'est fait. On va faire des gros bâtons forcément. Non mais dégage avec ta petite pierre là. Non, je sais pas combien il m'en faut des longs bâtons. Ok, il m'en faut encore 5. Oh non. Ok, j'ai plus de hache. J'ai plus de hache, mais tout va bien. Tout va bien, on a la banane. Ça
ces mecs ils me prennent mes bâtons. Bon bah j'ai plus qu'à les roupiller. Hein. Ok, j'ai fait le plein d'énergie aux dépens du reste, tout simplement. Récolter. On va détruire, hein, c'est mieux quand même. Là, c'est une infusion. Hop, hop. Infusion, hop. Bol vide. Alors, je vais déposer ça à côté. La cendre. Je vais la pousser là. Je m'étais mis un feu de l'autre côté, mais il n'y est pas. Voilà, donc je vais en reposer un. Forcément, je suis à court de petits bâtons. Des feuilles sèches. Normalement, j'en ai dans le coin. Mais vu que c'est le bazar chez moi, elles sont là. Voilà. Ah, petit feu, s'il vous plaît. Non, c'est même pas là qu'il faut que j'aille. Yes! Ok, bol vide. Tu vas les tremper gentiment d'eau. Comme ça, ça. Je vais le faire cuire avec. Je vais aller choper d'autres bâtons en attendant. Là, je vais pas avoir besoin de bûche. Alors, c'est vrai que je le coupe, lui. Ah, des champignons m'en font tout ça à foison, mais alors. Le reste, hein. Faut s'accrocher. Ah, c'est vrai que j'ai plus de hache. Mettre ça en premier. Ah, j'ai bien fait de ramasser les deux pierres tout à l'heure. Ok, ça c'est good. J'espère que je vais pas en avoir pour 15 ans là. Car là les paquets de boules on voit ça fait 3, 4, ouais 8. Il m'en faut 8. S'il te plaît, tu prends mon bâton là. Ok, il me manque plus qu'un. Là il a arrêté de pleuvoir mais je peux quand même prendre ma bolle linette de flotte. Je vais mettre ça. Ça veut bien. Je vais mettre ça dedans. Les asticots ici. L'araignée, on la fait cuire. Ça, je vais le manger. Ah, 15 d'énergie, 15 de protéines, 25 de glucides, mais par contre, pas de lipides. C'est tip top, rien ne me stoppe. Je crois que j'ai rien qui fait des. Intoxication alimentaire. 15 d'énergie. Ça y est, juste de l'hydratation. Ça, c'est contre. Contre la fièvre, contre l'intoxication alimentaire. Donc si je mange ça, du moins si je le bois, faut que je chope ça derrière. Euh,
Je vais récolter mon lézard, tiens. Je vais voir si mon petit caïman là. Ah, me filera un petit peu de lipides. J'en doute fort. Ah, l'araignée. Allez. Moins 5 au mental, je suis content. Je suis ravi et content. Ah, je vais attendre mon petit bout de viande là et on va aller chercher des boudins de. Des boudins de boue là. Pour continuer le four. Je vais faire une petite interlude là. Et, une petite ellipse. Et on se retrouve quand j'ai ramené tous mes boudins. Ok, les murs. Voici mon dernier boudin. Déjà tout prêt, j'en ai remis en place. Alors là, vu que là il vient de pleuvoir et que je suis tombé dans les pommes, j'ai pu constater que quand vos carrés de boue sont, sont arrosés par la pluie et que vous avez mis la cendre, bien sûr, vous n'avez pas à vous embêter à remplir des gourdes ou je sais pas quoi pour arroser derrière. La pluie s'en rechargera. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai le. Ah, c'est que j'ai mon deuxième. Ah, les gars, je vais pas attendre. Ouais, j'ai mon deuxième carré de boue qui est à moitié couvert, donc j'ai pas l'impression qu'il se fasse arroser naturellement. Donc, bah tant pis, hein, je devrais au moins en arroser un sur les deux. Quant à nous, on va se mettre ça là, là. Avec notre petite. Une petite glaise bien bien fraîche là. Ok, donc ça c'est fait. Alors comment ça marche? Genre je prends mon minerai, je le mets dedans. Ouais. Faut mettre quoi là? J'arrive à fondre, mais ça se trouve il me faut un truc pour. Pour le récupérer, là je suppose qu'il faut foutre du charbon. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'ai bien fait de faire mon four à côté, sauf qu'il pleut et que la porte elle est pas fermée, donc il y a une espèce de dura au-dessus. Si je fais ça. Ah bah non, j'ai pas le temps. Ça se trouve, faut que je l'alimente. Que la jauge soit remplie. Une fois qu'elle sera toute remplie. Ah, j'avais peut-être pas mis assez de bois avant. J'avais juste fait un feu... Un feu basique. Ok, alors peut-être que oui. Ouais, va falloir mettre max de bois. Bah, au final, j'ai bien fait de cogiter sur le four à fer là. Effectivement, voilà, ça. Ouais, faut que je blinde de petits bois. J'en ai coupé plein à côté, donc va falloir en farmer, hein, parce que si on faut masse. Ah, par contre, un petit test à faire. Dégage la feuille. Savoir si je peux pas foutre 2-3 morceaux de charbon dedans. Histoire de tricher. Alors, on va tester ça tout de suite. Bon, bah, je tape pas d'autres morceaux de bois. Alors, est-ce que je peux foutre un morceau de charbon dedans? Bah, là, j'en ai plus. Je vais aller en chercher là. Est-ce que ça va me le considérer comme un morceau de bois ou non? Ah non, je peux pas le mettre. Ah, j'ai pu le poser. Ah ouais. Là. Non, on peut pas. Hein. Le charbon, c'est mort. Parce que là, j'ai le dessin au milieu
qui disparaît. Ouais, voilà. Ok. Ah, j'espère que ça en donne au moins une dizaine, hein, parce que vu tout le bois qu'on met... on va s'amuser. Hein. Ah, voilà. Maintenant, je peux fermer. Utiliser un outil. Bah non. Non, je vais pas le faire. Je crois que j'ai chopé un verre en plus. Je vais finir par mourir. Là il pleut. Alors je vais attendre d'être rincé là. Je vais déjà checker ce que j'ai. Je pense que j'ai chopé un verre. Avec un peu de chance, c'est peut-être que des sangsues. Mais je m'affole pour rien. Voilà. S'il pouvait pleuvoir un peu plus vite, ce serait bien là pour le coup. Infusion, infusion. Infusion. Eau potable. Eau potable. Eau potable. Voilà. Je vais mettre mes bobinettes d'eau potable par là. Alors j'ai récupéré un poisson entre temps. N'hésite pas qu'il s'arrête de pleuvoir, c'est une blague. Est-ce que j'ai des champis sur moi? Ah, j'ai tout qu'à... J'ai tout qu'à cramer là, ça je vais manger. Ah, même mes champis ils ont crevé là. Ouais, c'est triste hein. Le champi qui est un peu... qu'il faut surtout pas manger. Je vais le poser. Il faut que je me fasse une réserve de verre ailleurs aussi, là, parce que... les champis, on dégage. Ouais, que je fasse pas manger, surtout. Par contre, celui-là, il... Ok, forcément, j'ai chopé un verre. Intoxication alimentaire. Ouais, mais non, ça va pas m'aider. Ah bah j'ai chopé deux verres. Ah, j'ai vu des champis briller là-bas. C'est pas les bons, mais peut-être qu'il y en aura d'autres à côté. Ah, décidément, je suis gâté. Sinon, je vais sortir mon allume-feu et peut-être qu'il va se mettre à pleuvoir. Hein. Ah, puis j'irai me chercher des... Oh là là. Vas-y, ramène-toi là. Ah, il est là, hein. Bah, faudrait que j'évite de dormir ici. En plus, je viens de me gâcher une petite flèche. Alors, si tu pouvais me rincer, ce serait bien là. Comme ça, je vais dormir après. Je vais me boire une soupe aussi là pour mon infection. Ça m'enlèvera déjà au moins un parasite. Ah bah ça m'a soigné les deux. Allez vas-y, je vais me rassurer aussi en même temps ici, elle s'ira plus vite. Voilà, merci. Allez, vite, 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 je vais tomber dans les pommes. Allez, c'est parti. Là, je fais une petite insomnie, nickel. Tout ce qu'on aime, quoi. Ah, puis on va retourner voir après s'il y a Tuk-Tuk là qui va nous empêcher d'avancer. En plus, je peux pas pioncer ici. Là. Je sais pas comment j'ai fait pour dormir une fois là. Alors que normalement,
Je peux pas, j'ai pas dit, j'ai rien. Une fois, je me suis mis à pioncer. Je sais pas comment j'ai fait, si c'était un bug ou quoi. Parce que j'ai rien. Hein. J'ai rien qui sert de. Qui peut servir de lit là. Moi, je veux me construire le lit à étage. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de repartir. Voilà, je vais tenter d'aller pioncer là-bas. Hein. J'espère qu'ils vont pas m'attendre au réveil. Ou qu'ils vont pas me faire chichi ou la mort. Ok, je pense que là j'ai assez pioncé. Ah, je vais sauvegarder. Je vais manger une noix. Faut que je m'allume un. Ouais, faut que je me rallume un feu. Faut que je me fasse un feu en pierre là. Qu'est-ce à quoi ça? C'est une nouvelle page d'entrée. On verra ça après. Allez, propose-moi un bâton, s'il te plaît. Prends max, voilà. Utiliser. Ouais, en plus il m'en reste un sur moi, plus de poils. Je vais mettre ma bidoche à cuire ici. Yes. Ah, comme ça c'est fait. Ah, ça va cuire tout doucement. Ensuite je ferai mes petits escargots. Faut que je me refasse des feuilles séchées là. Mes petites canettes, elles sont où là? Mes canettes. Elles sont là-bas. Boisson. Ah, il me faut des glucides. Ah, je vais me faire plaisir, je vais manger un rayon de miel. Par contre, les asticots là, j'en ai un stock. Je vais taper tous mes champignons. Voilà. Alors, j'ai bouffé ma dernière. Ma dernière graine. Alors, ça se passe comment? Faut que je mette du charbon encore. Donc, heureusement que mon four à charbon, je l'ai fait à côté. Hein. Je pense que là, pour le coup, on a tapé dans le mille. Celui-là, je vais pas le mettre parce que c'est rempli, je vais pas me faire avoir. Quant à là, je vais utiliser ça et ça. J'espère que ça va marcher comme ça. Yes! Yes! Ok, bah voilà. Et là, ça se fait tout doucement, nickel. Je sais pas si je peux poser deux trucs à cuire dedans là. Ah nickel. Et je peux aussi me faire à manger à l'étouffer. Braise nécessaire. Ah c'est des braises qu'il me faut. Ok. J'ai mis du charbon mais en fait c'est des braises. Alors j'espère qu'on va en récupérer là et qu'on va fabriquer. D'ailleurs on voit qu'il y a des trous. De chaque côté pour que la fumée se dissipe. Quant à là, je sais pas si c'est un bol qu'il faudrait. Non. Est-ce qu'il faut mettre de la résine? Non. Alors peut-être qu'il faut attendre et que on récupérera un truc en dessous. Dès que ça s'activera, pardon. Voilà, je peux plus remettre, ouais, faut que j'attende. Donc j'espère franchement que ça va m'en faire des braises.
La champi, il est bien... bien pourri. Ça a pas l'air de pourrir par contre. Ah, ma petite viande. Elle est cuite. J'ai aussi un tas de sangsues qui m'attend sur le bras. Je sais pas pourquoi je regarde ma jambe. Bah écoutez, voilà. Hein. Je suppose qu'en plus la porte va falloir la refaire à chaque fois. Je sais pas si je peux remettre un minerai, non. Je vais me poser là pour après. On va commencer à se mettre nos premiers carrés de boue. Ah, il me fallait encore un bâton. C'est vrai. J'en ai coupé deux exprès pour. Voilà. On va mettre la corde. Et là, je vais commencer à mettre ma boue. Avec vous. On va se laisser là-dessus. On finira la prochaine fois. Je vais me ramener les boudins qui me manquent. Comme ça, en plus... si jamais il pleut, ça va peut-être me faire une réserve. Faudra essayer de trouver le filtre à eau, là, comme ça. Là, faut que je trouve celui en palmier. On va faire une mission pour partir. Moi, de mon côté, je vais chercher encore du minerai, là, dans la caverne. Et puis, je vais aller me ramener mes 4 derniers boudins. Et peut-être même un 5e et un 6e pour la porte. Donc, voilà. Et puis, on se retrouvera... prochain épisode pour voir un petit peu comment tout ceci a évolué. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications. Toi, viens par là parce que tu me fais plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et survivez bien. Ciao, ciao.